Salut à tous, voici donc la deuxième vidéo consacrée au match entre Paul Morphy et Adolf Andersen. Lors de la première vidéo, nous avons vu la victoire initiale d'Andersen dans cette première partie. Et nous sommes donc pour la deuxième partie, disputée le 21 décembre 1858. Et Andersen a les blancs. Alors Morphy a perdu la première partie, c'est pas quelque chose de surprenant dans la mesure où dans son match qu'il avait joué contre Arvidsz quelques semaines plus tôt, il avait perdu les deux premières parties. Donc Morphy, ce n'était pas quelqu'un qui paniquait. Et d'ailleurs, dans ses matchs d'hiver, notamment aussi contre Löwenthal qu'il avait joué, qu'il avait affronté à Londres, il avait eu un peu plus de mal au début avant de le dominer sur la fin. Donc Morphy était un peu plus lent. Pour commencer le match, il jauge l'adversaire. Pas oublier aussi qu'il avait été malade au cours de l'hiver parisien. Donc le match avait été d'ailleurs repoussé, je crois, d'une semaine à cause justement de l'état de santé de Morphy. Et Andersen avait même proposé de repousser le match, mais Morphy disait qu'il était prêt. Donc nous sommes au moment des fêtes de Noël 1858. Et Andersen donc a le plein de confiance après cette victoire dans la première partie. Il a les blancs et il a joué E4. Morphy a joué E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc la partie espagnole, pas un Gambit Evans comme ici, fou C4, fou C5, B4 dans la première partie. Morphy joue A6. Donc il questionne le fou. Alors c'est évidemment un coup normal, mais qui porte le nom en fait de Morphy. C'est la variante Morphy en fait. Fou A4, cavalier F6, D3 protège le pion E4, fou C5, C3, B5, chasse le fou, fou C2, plutôt qu'en B3, mais Andersen veut sans doute jouer pour D4, donc pour protéger d'abord E4 avant d'y arriver, et D5. Donc les noirs jouent vigoureusement au centre, peuvent jouer D6, évidemment. Ça, c'est un coup typique de Morphy qui cherche à ouvrir la position le plus vite possible. E prend D5, cavalier prend D5, on peut prendre aussi avec la dame. H3. C'est un coup typique d'Andersen qu'on a retrouvé dans beaucoup de parties. Bon, en fait, il veut empêcher fou G4. Il faut comprendre qu'Andersen préférait les cavaliers au fou et il n'aimait pas vraiment lorsque son adversaire voulait échanger un de ses cavaliers. Donc, il joue H3. Évidemment, aujourd'hui, on est plus circonspect sur le coup H3, surtout quand l'adversaire n'a pas roqué. Petit roque H6. Donc Morphy en fait autant pour contrôler la 4 G5. Là, ici, on peut jouer un coup comme tour E1, tour E8, cavalier D2, fou F5, et on a une position équilibrée. Les blancs n'ont pas d'avantage, mais ça joue, bien évidemment. Là, Andersen. Ben, c'est dit, voilà, maintenant je suis prêt pour D4 et il pousse D4. Alors, bien entendu, ce coup aujourd'hui serait l'objet de discussion dans la mesure où après C prend, E prend, enfin la prise en D4 et fou B6, on a un pion isolé. On va donc avoir le débat sur le pion isolé. Bon, mais ces considérations-là n'étaient pas encore étudiées à l'époque. Hein, je rappelle que les théories de Steinitz se sont diffusés quelques 20 ans plus tard. Hein, mais même si évidemment on avait déjà quelques idées sur le sujet, le fait de les systématiser, en tout cas d'élaborer un processus de réflexion à partir de ces éléments positionnels, c'est Steinitz qui les a construits. Donc Andersen joue cavalier C3, cavalier D5, B4, fou B1. Et ici, Morphy joue fou E6. C'est un coup de développement normal, mais pourquoi ne pas prendre le pion en D4? Ben, sans doute parce que les deux joueurs n'ont pas calculé comme il fallait. Cavalier prend, fou prend, dame F3, fou E6. Et sur tour D1, il y a Dame F6, qui défend bien, mais on peut jouer A3. Et là, si on joue fou F6, bah, le problème, c'est qu'on a A prend B4. Donc, il y en a deux pièces
Ben là, si on joue cavalier D5, bah oui, mais après cavalier prend, dame prend, il y a fou E4. On gagne la qualité. Et sur fou prend D5, bah oui, mais il y a un problème. Il y a dame D3. Mais donc en fait, ici, le meilleur coup, c'est de prendre en C3, dame prend et cavalier D5. Et ici, les noirs ont un pion de plus. Il y a la paire de fous, certes, pour les blancs. Mais il y a quand même encore un petit problème de développement. Bon, les blancs ont quand même des compensations. Voilà. Mais les noirs, quand même, ont une bonne position. Bon, après, fou E6, A3, cavalier D5. Donc là, on est dans une position. On va voir la variante où a été rejouée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ici, comment les blancs continuent? Bah ici, les blancs, en fait, pouvaient jouer dame C2, et c'était un coup qui gagnait tout simplement du matériel. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est dame H7 mat. Si on joue cavalier F6, bah on peut jouer non pas cavalier prend B5, dame prend C6 ou D5, dame C3, parce qu'il va y avoir un problème avec le pion D4. On peut même jouer d'ailleurs dame D6. On peut avoir ces questions-là. Mais on peut jouer cavalier E4. Et là, ici, on attaque le cavalier en C6, mais aussi on menace cavalier prend F6. Ce qui fait que, par exemple, si on prend en E4, ben on menace mat et le cavalier C6. Si on joue cavalier D7, ben là, comment on continue? Ben, cavalier G5. Et sur cavalier F6, ben on joue cavalier prend. Et on va gagner une pièce. Bref, dame C2, gagner du matériel. Sur G6, évidemment, il y a fou prend. Et si on joue tour E8, on peut jouer dame H7, on peut prendre en D5 aussi, roi F8, dame H8, dame prend G7. Et sur tour G8, il y a dame prend H6. Et si on joue fou prend des cavalier prend D4, par exemple, bah, fou G5, F6, cavalier prend échec, et il y a F6 qui saute. Voilà. Donc, là, ici, les blancs auraient pu jouer dame C2 et gagner du matériel. Mais à part ça, bah Andersen a choisi cavalier E2. Hein, son pion est attaqué et il le défend très passivement. Et Morphy va prendre rapidement l'avantage par cavalier F6, fou E3. Alors là, il y avait peut-être un coup qui était possible, mais un coup informatique, c'est fou prend H6, tour E8. Là, les noirs vont développer leur pièce, et en fait ici le pion D4 devient faible parce qu'il ne peut pas avancer. Cavalier G3, fou C4. Alors si on joue ici tour E1, bah, il y a cavalier prend bien évidemment, en sachant que sur cavalier prend, fou prend, il y a tour prend échec. Et on gagne évidemment une pièce. Donc là, Andersen constate qu'il ne peut pas défendre D4. Mais il aurait quand même pu jouer fou D3, même si encore une fois, après fou prend dame D5, tour D1, tour D8, les noirs ont évidemment l'avantage positionnel, en plus ils peuvent éventuellement envisager un C5 pour miner le pion D. Mais Andersen choisit cavalier F5. Il choisit une suite courageuse, qui n'est pas suffisante, mais en tout cas il mise sur ses cavaliers pour pouvoir continuer la partie. Morphy prend en F1, dame prend, cavalier E7, cavalier F3, H4, cavalier prend, dame D7. Bon. Ici, les blancs n'ont pas vraiment de jeu pour la qualité de moins, mais Andersen va trouver un truc pour continuer la partie. C'est possiblement sa meilleure chance pratique dans la mesure où il va déstabiliser Morphy. Il joue fou prend H6. Il a une qualité de moins, bah il donne le fou. Sur G prend H6 qui a été joué, il y a dame C1. Mais ici, en fait, on pouvait jouer simplement G6. On donne un pion, mais on ferme la diagonale. Mais encore une fois, on ne connaissait pas non plus, en tout cas, on n'avait pas acquis les techniques défensive, notamment qui consiste à dire si vous avez l'avantage matériel, bah, vous pouvez en rendre un petit peu pour stopper l'attaque adverse.
Ça, ce sont des, encore une fois, des principes de réflexion qui n'existaient pas à l'époque. Bon, prendre en H6, il n'y a rien de mauvais. Dame C1, et en fait, l'idée d'Andersen, c'est qu'il n'y a pas de pièce pour défendre H6 et qui pourrait revenir en F8. Bon, il y a bien fou prend D4, dame prend H6, tour E1 échec, roi H2. Ici, Morphy a joué cavalier E4. Mais là, les noirs pouvaient régler une grande partie des problèmes en donnant la dame par dame prend F5, fou prend F5, tour prend A1. Ils donnent la dame, mais ils ont tour et cavalier de plus. Et ça ne doit pas suffire pour les blancs pour gagner la partie. Donc là, dame prend F5. Mais évidemment, on n'est pas dans des logiques de réflexion que l'on a aujourd'hui, hein, notamment sur l'idée de rendre du matériel, un peu de matériel. Ici, c'est dame contre tour et cavalier, mais pour affaiblir l'attaque. Morphy a joué cavalier E4. Fou prend E4, tour prend E4, dame G5, roi F8, dame H6, roi E8, cavalier prend D4. Là, il faut faire attention, parce que sur dame prend D4, il y a dame C6 échec, on récupère la tour. Et sur tour prend D4, aïe aïe aïe, il y a tour E1 échec, qui va faire mal, parce que sur roi D8, il y a dame H8. Et donc, on va gagner la dame. Et en plus, on va même gagner la tour. Donc, il faut jouer dame D6 échec, dame prend D6, C prend D6, tour D1. Alors la finale est favorable aux noirs, mais les blancs ont un pion pour la qualité, ils ont quand même quelques atouts, ces pions de l'aile d'armes. Il peut y avoir le pion D6 qui peut être faible. Le cavalier est quand même bien centralisé, et notamment il peut empêcher l'accès aux cases C2 et E2. Mais les noirs, normalement, doivent gagner s'ils arrivent par exemple à forcer par un tour C8, C4. À avancer. Mais c'est vrai qu'il faut aussi trouver un plan de gain et Morphy ne va pas le trouver. Alors l'ordinateur propose tour E5 avec l'idée tour D5 pour clouer le cavalier. Bon, les noirs ont joué roi F8, tour D2, tour E8. Là on voit bien aussi la bonne disposition des pièces blanches. Hein. Le cavalier D4 est vraiment fort. G4. Tour E5. Et ici, cavalier F5 a donné les meilleures chances de nul. Si on joue tour E2, tour prend D6, tour prend F2, roi G3, tour prend B2, tour prend H6. Alors, peut-être d'abord tour H6, roi 8, tour prend H6. L'idée de tour H6, au-delà de menacer le mat, c'est que on repousse le roi de l'aile dame. Comme ça, on peut éventuellement pousser plus facilement les pions blancs. Mais ici, on a quand même des chances de nul parce qu'il y a peu de pions. Parce que, évidemment, moins il y a de pions, moins l'avantage matériel peut se faire sentir. En tout cas, quand on a une qualité de plus. Andersen va jouer F3. Alors là, c'est un problème. Parce que ça ouvre la deuxième rangée. Tour E1, H4, tour D5. Roi G3, A5, H5. Roi G8, roi F2, tour E8. Agir sur la colonne E, ça ne sert plus à rien. Roi G3, tour E7, roi F4. Et ici, Morphy va se contenter de la nulle, parce qu'il n'a pas trouvé comment gagner. Alors, aujourd'hui, évidemment, l'informatique et les connaissances nous permettent de comprendre que peut-être il valait mieux essayer d'ouvrir l'aile dame par un B5, B4 à un moment donné. Alors, peut-être A4 d'abord, parce que sur B4, il peut y avoir A4. Sur A4, roi G3, tour C7 ou tour B7, et sur F4, on joue B4. Donc pour ouvrir, créer de nouvelles faiblesses, en fait, sur l'aile dame, et les noirs avaient des chances de gagner. Après roi F4, Morphy a répété les coups, et les deux joueurs ont fait nul. Donc voilà pour cette partie nulle, où Andersen a été en difficulté à sortir de l'ouverture, et il a réussi à trouver des chances pratiques, alors, qui n'étaient pas complètement correctes, hein, soyons honnêtes, mais en tout cas, il a pas bien joué l'ouverture, même s'il aurait pu prendre l'avantage, mais il a réussi à s'en sortir, et Morphy, aussi fort qu'il lui était, n'a pas trouvé, j'allais dire peut-être même l'énergie
ou l'envie et de trouver le gain dans cette position qui était meilleure pour les Noirs, mais qui évidemment demandait beaucoup de travail. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis on se retrouve pour la prochaine partie, ou plutôt les deux prochaines parties de Paul Morphy et Adolphe Anderssen.